Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne du 22 juillet 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro. Je donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au vendredi pour la quotidienne, votre petite geekerie du jour, le seul JT des bonnes nouvelles. On se retrouve également le mercredi en mini-live à partir de 18h et le samedi matin à 10h, 10h midi, pour un maxi live dans lequel je réponds à toutes vos questions, vos commentaires, vos suggestions sous vos yeux ébahis et vos oreilles attentives. On commence comme chaque fois cette émission en remerciant tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo, tous ceux qui sont restés abonnés et tous les nouveaux qui se sont abonnés cette semaine. Et vous êtes... Putain de nombreux. Merci beaucoup de faire partie de cette grande famille et de soutenir un petit peu l'aventure à votre façon. Et si toi aussi tu veux rejoindre l'aventure, tu vas là-bas en bas à droite, tu cliques sur ma gueule, t'as un bouton, tu peux t'abonner, t'oublies pas la cloche pour sauver notifications. Pendant cette quotidienne, on parlera bien évidemment de mes news personnelles, des news high-tech, des films et séries télé, YouTube, Torrent, Netflix ou du week-end. Bien évidemment, la promo du jour. Et puis voilà, ça va durer une. une... Deux... Environ. Voilà. Allez. Euh... On attaque, comme toujours. Allez. Tac. News to shore. Ah non, j'ai oublié de dire, oui, le nombre de... Tu peux soutenir l'aventure, oui, pendant qu'on est là. Tu peux mettre un petit like en bas de la vidéo, ça c'est gratuit, ça prend 30 secondes, et ça permet de soutenir l'aventure. Tu peux aller regarder de la pub, je ne vous oblige pas à regarder de la pub, comme on pourrait voir sur euh, partout. Vous pouvez en regarder si vous voulez, ou si vous ne voulez pas, bah vous n'avez pas, mais vous pouvez regarder de la pub sur YouTube, vous aurez des 3 pubs par jour. Ça me rapporte un petit peu et comme ça, tu vois le compteur augmenter. Tu te dis que c'est grâce à toi que cette émission elle pourra continuer, puisque c'est pas facile. Voilà. Tu peux également aller m'offrir un café sur Tipeee, euros par mois. Minimum, hein, hein, riche, hein. tu peux être plus, t'es plus riche. Tu peux m'offrir un café sur Tipeee. Moi, en échange du café, je te donne un ticket de Tombola. À la fin du mois, on fera une Tombola exceptionnelle dans laquelle il y aura un projecteur à gagner, des traducteurs automatiques, un 10 SSD, bracelet, caméra IP, chargeur, carte graphique NVIDIA, casque gaming, etc. Le premier qui gagne choisit ce qu'il veut, le deuxième ce qu'il veut, le troisième et le quatrième, etc. etc. Pour les plus riches d'entre vous, il y a un panier à 20 euros sur Tipeee qui te permet, bah, par exemple, de mettre 20 euros, 10 tickets de tombola, et d'être sûr que tu gagnes ou que tu perds de recevoir un t-shirt le mois prochain. Voilà, de mon choix, par mon choix, mais à ta taille. C'est quand même plutôt bien. Allez, on attaque les news, on n'a pas que ça à faire. Hein. Ritement <laughs> diablé. Je vous rappelle, cette émission est enregistrée l'après-midi, diffusant en le live, en soir. Parce que moi, comme je suis en Thaïlande, il y a 5 heures des quart, Ça te permet toi de participer pendant le live et de rejoindre un petit peu bah, tous ceux qui sont là, nos modérateurs, et, ça, et ceux qui sont là tous les jours. <laughs> Et puis comme ça, bon voilà, ça permet d'interagir entre vous. Questions, commentaires en dessous de la vidéo, non pas pendant le chat. Je ne serai peut-être pas là, peut-être là, peut-être pas là. Si t'es là que t'es pas là, comment je sais que t'es là euh, toi, Tu sais que t'es là, mais enfin je sais que t'es là. Moi je sais que t'es là. Toi tu sais que je suis là, mais peut-être je suis pas là parce que je suis là en différé. Bon allez sommer. Bon. Enfin, on revient. Facebook, la page Facebook, pas grand-chose. J'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment. Le mois de juillet sera un peu mou au niveau de Patia French Group. L'activité reprendra au mois d'août, puisque là, on peut pas tout faire les vidéos, les actes quotidiennes. Et le con. C'est dur de faire le con. Hein. Puis le week-end et tout, je suis en plein casting là, de Jeanne. Euh, voilà quoi. Bon, on a pas encore trouvé hein. On cherche. Hein <laughs> on, on cherche. Enfin, on cherche sans chercher. Elle viendra. Elle viendra à moi. Oh, voilà, bon, euh, bah, ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, vous avez vu, je suis arrivé ici à faire presque la couleur du café comme dans la pub. Voilà, sans la mousse, hein, j'ai pas la à de la mousse, hein, moi j'ai une machine Xiaomi qui fait du café. Voilà, mon challenge c'est d'arriver à, à, à peu près le même résultat, c'est pas mal. Euh, de la bouffe, bien évidemment, de la bouffe et des fleurs. <laughs> oui, ouais, ouais, on a un peu l'impression d'être dans le monde des bisounours, mais voilà. C'est ça. Et entre-temps, je dors. Mais ça, je ne vous fais pas voir. Et je vais aux toilettes. Là, pareil, je vous passe ces options-là. Donc... Oui, je fais rien d'incroyable. Hein, en ce moment, je bosse. Je vais manger et je bosse et je vais manger. Et de temps en temps, je rencontre des gens. Des gens et des jeunes. C'était une... ça, la blague. Bon, allez, on parle un petit peu des statistiques de la chaîne YouTube. Puisque cette chaîne, c'est un petit peu la vôtre. Vu que c'est vous qui la fait vivre. C'est vous qui vous abonnez. Vous abonnez. C'est vous qui vous abonnez. J'ai pas mis le... J'ai pas mis le. Oh mais il a pas mis le truc. Oh bah alors. <laughs> C'est lundi. C'est lundi. Oh, je vous refais voir les Instagrams. Voilà. Greg Le Geek. Euh, voilà. Vous pouvez les suivre. Je vous refais voir. Je vous refais voir. <laughs> J'ai oublié. Oh. Allez, les stats de la chaîne qui sont un, un temps soit peu, pas dégueulasse. Okay. Euh, alors, ça fait quand même depuis le 17 que, voilà, il s'est passé des trucs. Alors, ça, ça fait depuis le 17 que j'achète un abonné de toutes les, c'est à peu près toutes les 30 minutes, hein. je crois que c'est deux par heure. Donc, un abonné toutes les 30 minutes, c'est fort à acheter je sais pas si on peut vraiment acheter <laughs> il y a un tas de trucs alors je un mais tout alors on était euh, 56 abonnés 59 38 Oh, c'est nul on n'a pas acheté assez 33 Oh, c'est nul oh, le... <laughs> samedi 40 dimanche pas mal et là on est déjà à 44 Ce sont trois de plus ça fait déjà... on est déjà à 11 abonnés aujourd'hui ça veut dire bon la moyenne des 30 abonnés on devrait ouais on devrait faire un 30 plus là <laughs> c'est dur hein. c'est à dire que tous les 3 jours on fait 100 abonnés voilà donc merci à tous ceux qui rejoignent la famille et cette grande bande de potes, cette émission, euh, parce que tu la vaux bien. Attends, attends, il attends, est où le mulot Là, là, gnagnagna, bon, bonjour, nanana, les stats de la chaîne, oh, 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 là, de la chaîne, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Allez, on reprend, euh, samedi, samedi, il y avait donc un maxi live à 10h qui a duré 1h40 à peu près, je crois dans lequel j'étais là, je répondais à toutes vos questions, vos commentaires et tout. On a passé un très très bon moment. C'était très actif au niveau du chat, au niveau, de, au niveau des réponses, un bon moment. Voilà, c'est notre petit rendez-vous entre nous. Ça fait moins d'audience peut-être que les A quotidiennes, apparemment. Ce qu'on peut voir déjà sur... Euh sur mon site collaboratif legeek.tv. Mais euh, pas mal. Voilà, donc on a fait un bon petit rendez-vous. Concernant le logo Marabout Dealer d'accro, euh, on y, ça y est c'est parti, euh, il est en train de bosser dessus. Donc il y aura bientôt un logo Marabout Dealer d'accro, je vous rappelle, avec euh, YouTube. Il nous propose la possibilité de faire des sacs, des t-shirts, des casquettes, des chaussettes, euh, pas mal de trucs. Donc après on aura un joli petit logo. Euh, moi je préfère des t-shirts certainement ici, déjà en Thaïlande, déjà pour moi, puis certainement pour vous offrir. Peut-être des casquettes aussi. Voilà, on essaiera de faire une gamme comme ça. Que vous pourrez acheter pour soutenir l'aventure, que vous pourrez ne pas acheter, que vous pourrez gagner. Voilà. Il y aura un petit peu de tout. Euh, J'ai eu confirmation pour ceux qui s'intéressaient je vais recevoir le Umidigi A5 Pro. Alors, ceux qui l'ont précommandé dans les débuts l'ont déjà reçu. Mais là, la deuxième vague, il faut attendre et il est encore en reprécommande. Donc ils nous ont proposé de nous l'envoyer, euh, j'ai dit oui, on l'aura un jour, je dis oui, euh, août, euh, oui je pars en vacances, bon, après août, voilà, donc bon il n'y a pas d'urgence, pour qu'il il est quand en précommande, faut qu il faut qu'il l'envoie, il y a qu'un jour, donc à mon retour de vacances, il devrait arriver. J'ai eu des news concernant mes batteries GoPro, Osmo, qui sont apparemment déjà pas été livrées, J'ai à la meuf. La meuf, franchement, s'il y a un truc, bon autant, j'ai pas encore reçu mes batteries, je ne comprends pas pourquoi. Euh, elle me répond, tac au tac, elle me dit voilà, euh, ah, il est marqué que c'est livré, bah, c'est livré à Bangkok, moi j'habite à Chambury, euh, soit à Pattaya, c'est pas possible. Donc euh, moi j'ai rien reçu. Alors elle contacte le transporteur, elle me dit bon, euh, les, les, les batteries sont encore à Bangkok, ils vont vous les relivrer. » J'ai Attends, l'adresse elle est bonne, ça fait je vous reçois tout, sauf leurs batteries à eux. Voilà, elle me dit, oh, les batteries, est-ce que vous pouvez euh, annuler le litige Parce qu'en fait j'ai ouvert un litige. Euh, comme il est marqué livré, euh, expédié mais pas reçu, enfin livré mais j'ai pas livré. Euh, AliExpress n'a pas tranché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tranché sur le litige, ils ont dit il faudra réduire entre vous. Le litige reste, euh, ils n'arrivent pas eux à décider si, qui a tort, qui a raison. Eux l'ont bien envoyé, mais moi je ne l'ai pas reçu. Voilà, donc euh... donc la meuf dit oui, annulez le litige, bah, quand je le reçois, promis, j'annule le litige, mais là pour l'instant il n'y a pas rien de reçu, n'anticipons pas, ne mettons pas la, la charrue avant les bœufs. <laughs> Oui, c'est ça. Euh, ok, mes batteries. Hein. J'ai reçu un mail aussi, tiens, pour que ça vous intéresse. J'ai reçu un... On va avoir une vidéo sponsorisée d'une un, caméra IP, une toute petite comme ça, que tu peux connecter par Google Voice et par Alexia, qui est en crunch funding. écrit, elle me dit oui, on est désolé, parce qu'en fait, le projet prend un petit peu de retard et vous ne la recevrez pas avant fin août. Alors j'ai dit... Oh, quel dommage, puisque je suis en vacances du 1er au 27 août, je serai pas là. Donc, euh, c'est bien. Ah, attends, fin ou oh, c'est bien. Mais ça va être sympa, parce qu'apparemment, tous les, les caméras qui fonctionnent avec Google euh, Home et, Google et Alexia prennent du retard. Je vous rappelle, les Reolink ont aussi cette option-là, qui est déjà sur le site, en disant « bientôt compatible », mais « bientôt ». toi Pas tout de suite. Pour l'instant, ça marche pas, mais c'est en train de s'ouvrir un petit peu, tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Voilà, que, comme disait Jeanne. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, j'en ai déjà pas... <laughs> si, si, si... Non, mais non, 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 non. Elle m'a dit tout doucement. Dans le genre, pas dans le genre euh, défoncé sur la table, tu vois. Plutôt dans le genre, dans notre relation, ça doit aller tout doucement. Tu vois. 8 rendez-vous, 8 cinémas, restaurants, et peut-être tu auras droit à un bisou. <laughs> ouais, on a pas taillé un. Hein. C'est la... tout ou rien ici. Hein. C'est euh, soit euh, premier soir, ouh, elle emménage la valise, elle te raconte que son gosse est malade et tout, et que voilà, c'est à quoi tu t'attends. Soit c'est huit euh, rendez-vous, peut-être 10, et peut-être un bisou après le mariage. <laughs> bienvenue en Thaïlande. Non, bienvenue à Pattaya. C'est pas toute la Thaïlande, c'est pas de généralité. C'est simplement, on le rappelle, c'est un show, c'est un spectacle. J'en fais lesquels, je suis là pour vous amuser, vous distraire, et vous divertir, mes jeunes amis. Enfin, jeunes. Je connais pour la plupart tes euh, jeunes retraités, ouais. <rire> voilà, <laughs> c'était ça. Euh, bon, alors je vous rappelle les commentaires de la veille, rien, puisqu'on s'est vu samedi, j'ai répondu un petit peu à toutes vos questions. Il y avait rien d'exceptionnel et pas de questions qui étaient en suspens. Euh, et je vous rappelle que tu peux encore une fois soutenir l'aventure, tu te rends compte que c'est plutôt sympa et dynamique. Tu peux mettre un petit like, ça c'est gratuit, tu peux aller regarder trois petites pubs sur YouTube en même temps que tu regardes l'émission, tu te dis, eh hey, le mec, comme ça, ça le récompense pour son travail. Si tu pas envie de te faire chier avec les pubs, ou en plus, tu peux aller sur Tipeee, si t'as les moyens, hein, si 2 euros, ça passe, c'est bon. Tu dis 2 euros par mois, c'est moins cher de Netflix. 6 émissions par semaine, 24 par mois. Tu les regardes toutes, tu te dis, ah, ça va, au prorata, euh, c'est moins chacun qu'un chewing-gum. Je trouve que c'est les comme chez vous. C'est chewing-gums quand j'étais jeune, à 10 centimes de francs. <laughs> ça n'existe plus. Voilà. Et t'auras droit, en plus, ticket de tombola. Et participer au tombola et possibilité de gagner des cadeaux incroyables. Voilà. Alors, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas préparé ma news. Euh... Tiens, de quoi je voulais vous parler? Tiens, tac. Euh, allez, on attaque les news tech du jour. Alors, une news tech du jour qui n'est pas tech. Qui est relevé sur mon site de, de moto vlog. Enfin, c'est mon premier site, hein, les Magouts, que j'ai monté en l'an 2000 pour vous donner que je suis en train de recycler en blog moto. Putain, à chaque fois que je fais une news le trafic, il fait comme ça. Oh Alors, du coup, je vais peut-être m'y remettre à faire de la news un, de ces quatre parce que là, j'en mets une par euh, tous les 15 jours. À chaque fois, oh pointe de trafic et hop, c je le garde un peu pendant un petit moment. Bon. Honda qui sort en Asie le nouveau X-Max. Non, le ADV. Le Honda ADV. J'ai mis ça, c'est mis X-Max ou il a ADV Oui. ADV 150 cm3. Ça faisait longtemps qu'on parlait de sortir un... Moi, je vous rappelle, j'ai un X-ADV en Thaïlande. Mais c'est un 7,5, c'est un camping-car. Euh, qui parlait de sortir un plus petit. Alors, on ne sait pas trop. Beaucoup, on était beaucoup à espérer, en fait un, un, un X-ADV, mais avec le moteur du Forza 300. Ça aurait fait un scooter sympa avec le look du, du X-ADV et tout. Et en fait, non, ils ont fait un 150 qui sort pour l'instant en Indonésie. Donc, il va certainement sortir en Thaïlande, Vietnam, Cambodge. Mais c'est vraiment pour l'Asie, on s'en met dans un premier temps, puisque les 150 se vendent beaucoup ici et très peu en Europe. Pourquoi ben Parce qu'en Europe, vous avez un pseudo-permis euh, 125 cm3 avec le permis voiture, non, non, mais que pour vous, 150 cm3, il faut passer le permis moto. Et je pense qu'à partir du moment où tu te fais chier à passer un permis moto. C'est pas pour avoir un scooter 150, c'est tu dis à hey, 300 euh, voire 500 ou 400 enfin un truc un peu plus sympa 200, il y a 200, 300, 400 et 500 voilà t'as les trucs un peu plus là 100, 100, 100, voilà donc le même en 125 pour l'Europe oui après pour l'Asie y a pas c'est permis permis t'as un permis moto c'est permis moto scooter c'est facile à avoir un hein. <laughs> on appelle ça un plateau freiner voilà clignotant voilà permis monsieur <laughs> au revoir bonnes vacances Z1000 c'est bien aussi roulez, pareil <laughs> attention euh, vous arrivez plus vite dans l'arbre euh, voilà donc euh, sortie en Asie plutôt pas mal je voulais vous parler d'une pub que vous avez peut-être entendue à la radio comme moi une pub pour Huawei. Alors, je vais essayer de vous la mettre en parlant par-dessus, puisque sinon, ils vont me... Voilà. Avec Google, avec, avec huawei vous pouvez prendre une photo en vacances. Voilà. partager sur votre réseau social favori. Donc, ça veut dire que qu'avec Huawei, tu peux prendre des photos. partager sur les réseaux sociaux. Tout dit, tu, te dis, tu te dis... Parce que Huawei, tu te dis, il n'y avait pas un problème avec Google où tout le monde flippait sa race, comme quoi tout le monde avait peur que les services Google disparaissent des Huawei. Et le titre, c'est « Vous pouvez tout faire » Et ça, ça ne changera pas. Ça veut dire que vous pouvez tout faire avec les services Google et que ça, ça ne va pas changer. Alors ils disent, tu vas pouvoir partager sur les sociaux. Ça veut dire qu'il y aura toujours Facebook, Twitter, euh, Google. Attends, là, c'est le truc indirect. L'envoyer par mail à mamie. Mail à mamie. Bah, avec Gmail, <laughs> bien évidemment, vu qu'on a quasiment presque tous une adresse Gmail. Voilà. Discussion entre potes bon, bah, sur Facebook, MSN, mais euh, bah, surtout les services Facebook. Discussion entre potes, euh, Skype, qui est un service de Google, de, de Windows. Euh, Messenger, MSN, voilà tous les services euh, ou la messagerie de Facebook, donc tous les services qui sont encore une fois des trucs américains. Ils sont jaloux, vos potes. Bon, alors, mamie, ça c'est pour la blague, c'est un peu le, le, le mode euh, bref, voilà. Donc, alors mamie, euh, on s'en fout, voilà. Et après, bon, voilà, le capteur photo, ça c'est les gros avantages du P30. Franchement, c'est un peu les seuls avantages. Regardez des clips préférés, bah ben, regardez YouTube, bien évidemment. Donc là, on est d'accord. Voilà. Après, bon, l'écran, on est d'accord. On parle un petit peu de technique. On revient sur Mamie, en mode bref, hein, pour ceux qui ont connu. Voilà, avec Huawei, vous pouvez tout faire. Ça ne changera pas. Voilà. La pub, c'est vraiment une pub qui est censée rassurer. Mais quand tu es un peu dans le tech, un peu geek, tu vois, un peu, un peu nerd, un peu. Euh... <laughs> bon, laisse tomber, en fait trop. Euh, tu te dis, putain, avec tous les problèmes, là, c'est vraiment la pub qui est censée. Non, mais euh, tous les téléphones qu'on Google, il y aura toujours Google. Il n'y a pas un matin, tu vas te lever, il n'y aura plus de Google. Voilà. Donc j'ai trouvé cette pub. Bah euh, C'est une réponse, hein? <laughs> C'est une réponse directement. Et puis voilà. Je voulais parler d'une autre news qu'on m'a envoyé beaucoup et encore jusqu'à ce matin. C'est concernant un coup de bluff de l'OS de Huawei, n'a jamais pensé pour les smartphones. Putain, je te jure, hein, des fois, j le mec, j'ai envie de. Peut-être, j'ai envie de dire, mais, tain, mais arrêtez de faire des news high tech. Alors, c'est très putaclic. Est-ce que Huawei, est-ce que l'OS de Huawei, Hongmeng OS, n'a jamais eu l'intention de pour les smartphones Alors, je vous rappelle, il y a un problème, ils se disent que Google, hein, moi, j'étais plutôt dans la théorie de dire, forcément, les Chinois vont pas tout miser sur le roi fou qui, du jour au lendemain, peut dire plus d'OS. Et dans ce cas, on n'aura plus d'OS. Et là, ils disent, non, mais on est en train de préparer un OS. En gros, on est en train de préparer un OS. Mais ce sera pas pour les téléphones, ça veut dire que bon bah le téléphone euh, on va laisser tomber si on a plus de Google. Voilà. Ce qu'il faut plutôt reprendre et là où plutôt la news aurait dû insister en tant que journalisme. Enfin, ça c'est du titre putaclic, ça faire vous êtes allés tout le monde m'a écrit la news en disant t'as vu Ils ont dit que Bah ils ont dit que là-bas c'est Huawei, Senior, hein, en Chine, Catherine Zen a affirmé que Omega OS n'est pas pour smartphone. All Souls. <laughs> All Souls, c'est important. Uh, there is confirmation propriétaire OS, to be an alternative. Alors, there, il y a une confirmation pour un OS propriétaire d'être une alternative à Android. Toutefois, la, le manufacturier chinois, donc Huawei, préfère continuer à travailler avec Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur du bras de fer. Ça veut dire que Google est en train de dire, on va peut-être plus pouvoir vous vendre du Huawei. Du, du, du oh, Android pour mettre dans vos téléphones. D'un autre côté, Huawei se dit bah, nous, euh, on est un peu dans la merde, comment on va faire bah, Le truc évident qu'ils sont en train de préparer leur OS depuis bien longtemps s'appelle OS, ils ont fait des essais et tout, mais ils vont pas dire mais de toute façon, euh, Android, allez vous faire enculer, on a notre OS. Mais bien sûr qu'ils veulent rester sur Android. Le truc, c'est que c'est une fight en disant. Si on a Android, nous, on veut travailler avec Android parce que c'est un des meilleurs euh, systèmes du monde et le plus connu et le plus populaire. Bien sûr qu'ils veulent travailler avec Android, c'est évident. Les gens, ça va leur faire flipper. Mais en même temps, ils disent « Mais on a un truc !» au cas où, si jamais vous voulez pas, on a un plan B. Et un truc, il est là. Et c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie. C'est que le Roi O a dit « We hope to continue... » Alors, on espère de continuer à user le système global mobile operating system, écosystème, donc euh, le système bah, que tout le monde utilise, Android. However oh, Si, les, si la restriction des américains continue on va aussi développer notre propre système d'opération le plus important il se build le plus important étant de fabriquer un écosystème qui, euh, bah, qui conciliera un petit peu tout mais bon encore une fois on est sur du bras de fer je pense qu'on peut pas miser le numéro un euh, au monde en smartphone et puis euh, dire ah, bah, le jour il n'y a plus d'Android c'est ça évidemment il y aura du iOS OS et bien évidemment il va y avoir du iOS OS en Chine prochainement et peut-être même en Inde mais ils sont en train de se dire bah, Google nous on veut bien mais comme ça Google ils ont un peu la pression parce que aussi ils sont là pour vendre de l'android et du Play Store et des trucs sur en Chine il y a 1500 millions de chinois quand même potentiel plus un marché mondial de leur dire c'est aussi à vous de vouloir travailler avec nous parce que nous on a un plan B qui, on Omeng OS qui vous a prouvé, on vous a fait fuiter que ça tournait carrément bien, que c'était viable et que, euh, je veux dire, si les Chinois s'en mettent, et ils sont pas capables, ils sont aussi capables de faire des trucs un peu, un peu bien. Voilà, donc la news, elle est faite comme ça, c'est pas, ils bluffent, bien sûr que non, ils bluffent pas, mais ils négocient, <laughs> je veux dire, est, ils négocient, c'est, hé, hey, nous, on veut travailler avec Android, et ce qui paraît évident, mais... Voilà, si on a plus d'Android, ben, on a un bon C'est pour les télés hein. <laughs> c'est pour mettre sur les télés, Puis les, les le pump, pas les télés. Je sais pas si on va mettre ouais, sur les télés, sur les trucs connectés. Euh, mais euh, ça tourne bien sur Xiaomi, Oppo. On a fait les essais pour être sûr. Mais c'est pour les télé. Euh. <laughs> <Ça, rire> en fait, ça va tourner sur les téléphones, Char euh, Xiaomi, Oppo, tout. Mais c'est surtout pour les télé, toi. Mais, euh, là, d'un air de dire, ça fonctionne aussi sur téléphone, apparemment. <laughs> voilà. C'est un bras de fer, je ne sais pas. Moi, je comprends pas qu'il y ait autant d'engouement et tout. Et que là, voilà, donc, euh, ne vous abolez pas. Bien évidemment, ils ont un plan B. Mais de toute façon, euh, c'est déjà prévu qu'en Chine, y a téléphones voilà. Quoique, euh, il y ait le téléphone qui sente sous Hong Voilà. Quoi qu'il se passe. Voilà, dans un premier temps, pour leur dire, attends, c'est pas gagné pour vous, on lance le truc, on vous fait essayer. Après, il y a encore des mecs comme moi qui vont les importer, qui vont les essayer, qui vont essayer les OS, et il y aura vraiment un fight où ça va être vraiment Google qui va mettre aussi la, la pression au gouvernement américain pour leur dire, non mais il faut qu'on faut qu continue à bosser avec eux, parce que là, sinon, ils vont se passer de nous, pour de vrai, voire nous bouffer. Parce que je rappelle que la Chine, le parc de, de smartphones de la Chine suffit en fait à équilibrer le. <laughs> le nombre d'OS dans le monde entier. Voilà. Euh, on parle d'une news aussi qui était euh, très intéressant, c'est qu'on a un analyste, un analyste spécialiste, qui vous dit que bon, la série Poco, apparemment, euh, c'est bon, c'est torché. Hein. <laughs> c'est fini, on hein, verra plus. Hein. Bah, ce qui paraît un peu évident hein, depuis euh, un petit moment. Alors je suis pas analyste, hein, moi je suis que YouTuber blagueur. Mais depuis qu'on a vu que euh, Xiaomi avait sorti le Redmi et que le Redmi... Euh, est sorti en Inde et tout le modèle pas cher sous la marque Redmi, mais qu'il est sorti en Europe sous la marque Xiaomi. On a bien compris qu'il y avait plus de Poco dans l'histoire. Je me rappelle Poco en espagnol voulant dire un petit peu, un Poco. Et un Poco loco, ça veut dire que t'es un petit peu local. <laughs> on m'a toujours dit, on me dit t'es un petit peu local toi. J'ai un Poco loco. Ah, je dis c'est rigolo ça. C'est vrai que je me trouve un petit peu local. Mais c'est vrai que j'ai aussi un petit nom en portugais, donc bon, euh, voilà, les origines font que je me sens un peu, un peu local. Arrête. Mais oui, je sais que ça veut dire loco. Ah. <laughs> Poco loco. Oh. Mais c'est un show. T'as oublié. <laughs> Enlève ton pouce en bas. Remets un pouce en l'air. Il y en a. On a notre quota déjà de pouces en bas. C'est bon. On en a parlé samedi en plus. Vous allez voir samedi comment je vous expliquais pourquoi le nombre de pouces en bas était, euh, était bon aussi. Voilà. Et pourquoi on prenait depuis 40 à 50 abonnés. Donc merci à, à tous ceux qui mettent des pouces en bas. C'est grâce à vous. Entre 40 et 50 abonnés quand même en un mois, depuis qu'on prend 15-20 pouces en bas. Il n'y a pas de hasard. Euh, voilà, donc bon, c'était un peu évident hein, que cette marque-là n'avait plus vraiment... Maintenant, il y aura vraiment Xiaomi et Redmi, ils vont se concentrer là-dessus. Ah oh, oui. Et enfin, la petite news, c'est que... Bon, pas cette photo parce qu'elle est dégueulasse. Redmi va nous sortir un téléphone avec une caméra de 64 mégapixels. Alors, euh, oui, bah pourquoi pas <laughs> Alors c'était 48, hein, le record. Alors est-ce qu'ils vont nous mettre du 48 plus une, euh, une petite à côté Est-ce qu'ils vont nous l'interpoler Pour l'instant, rien n'est sûr. Est-ce que ça va être du traitement logiciel, du traitement numérique Bon, cette photo n'a rien à voir, elle est dégueulasse. Il y a 64 millions de pixels. Bah ils l'ont, on une 13 alors. Hein. Non, 13 c'était bien. Quand on voit, j'ai un... La personne, attends, je te fais voir. La personne à qui j'ai vendu le... le Redmi 7A m'a envoyé des photos, mon pote... Oh un truc de dingue, alors attends, euh, il est où Là. Moi, je peux pas te faire voir, parce que là j'ai un peu, de, peu trop d'amis. Voilà, comme ça, rien. Euh, rien. Le mec il me dit, regarde, j'ai pris la photo avec le Redmi 7A. Euh, il me dit les photos sont dingues pour un téléphone à pour un téléphone à 80 balles quoi. Tu vois sinon bah si tu sais pas, tu pas vu la review, tu vas je t'invite à aller voir sur mon autre chaîne. Parce que tu n'es pas au courant. Là bon. je t'ai dit que c'est trois chaînes YouTube. GLG Review sur lesquelles on fait les reviews, GLG Vidéo sur lesquelles on fait les vidéos et les accros quotidiennes et WTS WTS bah, GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. Tu peux aller voir la vidéo, tu vas voir, tu vas tu vas être tétonné. Ça veut dire que tu vas voir les tétons qui pointent. C'est ça être tétonné. Ah oh tu vois tout sont bien les photos et donc pour 80 balles. Oui l'ai jamais fait celle-là. Je sais, je sais, je sais. T'as bien fait de venir. Allez, le legeek.tv. Donc, la vidéo, la c'était euh, bien. La vidéo de Lolo Cochet sur ses deuxièmes épisodes, ses 96 heures en moto, là, on est bien. Alors, il y a un truc bien, c'est il a pas pissé. Il fait, non, en fait, il mettait des petits strades et il allait... J'imagine bien, à chaque fois que tu veux pisser, mettre des trucs comme ça. Pour... C'est un spectacle. On en a parlé dans la dernière quotidienne. Ma petite interview avec euh, Cédric... Parce que lui, il est marié avec une femme chinoise en Thaïlande, avec deux gamins et tout. Et puis, il voulait parler un peu de sa vision de la Thaïlande, et puis comparer un petit peu avec la mienne, où lui, il est marié deux enfants, et moi, euh, célibataire deux motos. <laughs> ah oui, ça fait aussi. Arrêtez un petit peu, là, c'est qui m'écrit Ouais, je sais bien, ouais, bah oui, Instagram, tout. Ouais, je sais bien, j'arrive, j'arrive, ouais. les enfants. Euh... Donc voilà, une interview sympa, très très rigolote, bien, bien menée d'une main de maître par lui, bien filmée parce qu'il a son caméraman qui est là pendant le, la séance, et bien rythmée par le GLG qui était dans, dans, avec toutes ses blagues. Voilà, Donc si tu aimes un peu, tu vas sur mon site collaboratif qui s'appelle legeek.tv. Le geek TV. Et là, tu cliques sur l'article, il est là, il t'attend. Filmora 9, dimanche, la vidéo pour vous expliquer comment euh, ils m'ont proposé de tester Filmora, en fait, de me payer en plus pour, donc je l'ai testé. En fait, il marche super bien pour PC et tout. J'arrivais carrément à retrouver mes petits comme, euh, comme Final Cut. J'ai mis plein d'effets comme il y avait dedans, un peu beaucoup, mais le but c'était de vous présenter un peu le machin. Et euh, ça marche plutôt bien, je suis assez content. Et enfin, The Witcher, euh, la bande-annonce qui arrive sur Netflix. Voilà, ça va faire de la, de la petite série. De la petite série. Allez, on continue un petit peu euh, les reviews à venir. alors, il euh, y aura certainement là une vidéo par semaine, hein, jusqu'à ce que je revienne de vacances, donc dimanche, il y avait eu la vidéo du Filmora, cette semaine, il y aura la vidéo du Ulefone Power, bien, Power 6, vu qu'elle est prête, il ne reste plus que le montage à faire demain, je pourrais vous l'uploader. Euh, la valise Xiaomi arrivera certainement la semaine prochaine, pas mal. Comment je fais des vidéos, peut-être la semaine d'après aussi. Le Google Home Hub, je vais peut-être le faire fin de semaine pour être bien, pour vous comparer un petit peu le Google Home Hub et le Google Home. À savoir que j'ai trouvé, tu peux les mettre en... Comment dire Tu peux les mettre en room machin là. Ça veut dire que tu peux commander, euh, donc tu es sur le vocal et tu dis sur lequel tu veux que le son sorte. Et ce qui est pas mal, c'est que parce le Google Home Hub, il a vraiment un son de merde. Et ça, vous allez le voir. Alors que le Google Home, il avait un, vraiment un très joli son. Alors, tu peux dire, ouais, Mania, tu parles aux deux, parce qu'il y en a un là et un là. Donc, j'ai de la stéréo. Et tu peux dire, voilà, mets-moi de la musique sur euh, Hub euh, de RB. On va dire, voilà, RB. Et donc, du coup, tu vois bien la vidéo, le texte et tout sur l'écran, mais le son sort de celui-là. Ou tu peux mettre sur les deux en même temps, mais bon, sur celui-là, il est quand même pas terrible. Voilà. Donc, je, le multi multiroom, voilà, ça, cherchait le mot. Euh, c'est plutôt pas mal, en fait. Voilà. Les 13 raisons d'acheter un iPad soit iPadOS 13. Pas mal, et au box eh, je pense que je pourrais pas, mais là déjà on est une semaine, je tiens jusqu'à fin août, on devrait être plutôt pas mal. Allez, on continue avec les films de la semaine. Allez, les films de la semaine, euh... il y avait toujours Le Roi Lion ce week-end. Combien d'entre vous sont allés voir Le Roi Lion Et qu'est-ce que vous en avez pensé Tiens, dites-moi un petit peu si j'ai loupé quelque chose ou si j'ai pas loupé quelque chose. Sur TF1 Torrent, rien de bien ce week-end, on va attendre un petit peu qu'il y ait des choses qui tombent pas mal. Film et séries télé du week-end, j'ai fini What If la saison 1... Une espèce de psychopathe... Alors bon, les acteurs sont un peu chelous. Surtout l'autre vilaine, là. Euh... <laughs> fait que de chialer, en plus, voilà. Mais euh, avant dernier épisode, rebondissement de la mort. que là, ah, j'ai pas vu venir. Pourtant, c'est gros, hein, ce truc-là. C'est gros, c'est méchant, c'est bête. Tout ce que j'aime. J'ai pas vu venir et... Euh, ah, rebondissement, là. J'ai dit, c'est pas mal, jusqu'à la fin. Bon, c'est gentil, hein. Euh, en, mode, en mode bête et méchant. Euh, voilà, si toi aussi, tu es bête et méchant, c'est la série qu'il te faut. <laughs> j'ai préféré John Dirty. En mode psychopathe, mais... <coughs> Pardon. Voilà. Mais là, c'était bien aussi. Allez, la promo du jour, c'est les jouets Lego Brick Air Avenger 3. Infinity War. Tu trouveras la promo directement sur Shanzai.fr. Ils sont en promo toute la journée. C'est des petits robots alors. C'est bien marqué. Attends, je vais bien marqué. Mettre la... Sa mère fait chaud là. Pouh, dans ton pays, là. Ah oh, putain la vache. Ah ouais, ça va me faire sécher la sueur. Ça va me faire sécher les auréoles. Oh. Euh... Voilà, il y a bien marqué que c'est livré sans les bois dans des petits sacs plastiques, donc du coup c'est que des petites pièces de Lego livrées en vrac, et quand tu les montes, bah, ça fera soin à Iron Man, il y a tous les personnages et tout, putain, faut être fort, hein, parce que là, encore une fois, le truc, quand tu vas acheter quelque chose, tu peux faire notre BEM, c'est besoin, envie, moyen, donc besoin, est-ce que t'en as besoin Non Non, vraiment pas, j'ai trop de bordel, est-ce que j'en ai envie <laughs> Grave est-ce que t'en as les moyens Ah ouais, ils sont en promo, c'est 2 balles aujourd'hui, je crois. Attends, je vais regarder. Je crois que c'est 2 balles, un truc comme ça, le personnage. Donc 2 euh, oui pour un non. Euh, deux points sur 3 euh, c'est gagné. <laughs> Dora. C'est gagné Voilà, tu peux l'acheter. Euh, ils sont à ouais, ouais, trop de trucs, c'est trop bien. <laughs> Regarde Aïe 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 euh... Alors attends, c'était plutôt là au-dessus. C'est 2,67€. Oh putain la vache. Trop génial. Alors je vais prendre le Superman, le Batman. Lui, j'aime pas trop. Lui, il est moche. Wonder Woman. Allez, qu'est-ce qu'elle est bonasse. <laughs> euh, Flash, pas mal. Euh, Ant-Man. Je crois pas, non. C'est l'autre. Voilà. Iron Man. <laughs> Thanos. Euh, l'autre en vert, là. Non, ça, c'est. Voilà, c'est. Encore une fois, c'est la promo du jour. Tu la trouveras sur Shanzai.fr. Tu vas aller sur le site où tu trouveras le lien en bas, directement, dans la description. Voilà. Smartphone chinois, rien de nouveau, mais là, il y a un téléphone qui arrive cette semaine. C'est bien. Je te rappelle, si tu des questions et des commentaires, tu peux les poser en bas de la vidéo. Pas pendant le live, puisque je serai pas là peut-être, je serai là, mais tu seras pas, je serai là. Et, donc, du coup, mets en, en bas dans la description. Comme ça, ça permettra de réagir sur ton commentaire demain, ou d'y répondre instantanément, ou alors de mettre un petit cœur d'amour, si c'est un commentaire gentil, en disant, oh, c'est trop bien, cette quotidienne. Oh, je suis trop content de m'être abonné, de faire partie des 40 d'abonnés, des nouveaux d'hier. Par exemple, ou tu peux rester anonyme et juste mettre un petit pouce en l'air, c'est pareil. Voilà. Les magouilles.com, les motos, pas grand chose, mais je suis en train de voir parce que septembre, il va falloir que. Voilà. Il va falloir revoir les activités, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Mais les motos font partie des choses que j'aime beaucoup faire et le site rank comme un petit cochon, donc ça serait un petit peu dommage. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez reprendre une activité normale et reprendre soin un petit peu de vous et prendre soin de vos proches. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable. N'oubliez pas d'inclure tes proches dans tes prières pour que le ciel prenne soin d'eux, ou un peu plus qu'il ne le fait déjà. Tu peux m'inclure également dedans bah en mettant bah allez, prends soin aussi du marabout. Et pourvu que la crotinelle continue à prendre 40 abonnés par jour, c'est trop super cool. Merci. Si apparemment vous êtes nombreux à le faire et que ça marche, j'ai envie de dire, continuez. <laughs> ne, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Voilà. Allez, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, à demain, même heure, même endroit.